Marthe, qui n'a décidément peur de rien, ouvre donc ses aventures avec le saut intérieur. Est-ce que tu es bien consciente de ce que tu vas faire? J'essaye. Bon, très bien. En effet, parce que la concentration, en tout cas, il en faudra. Comme tu peux le voir, lundi, c'est juste devant toi. Antoine t'a déjà briefé pour t'expliquer exactement comment procéder. Il va maintenant s'occuper de toi afin de t'arnacher. Bonne chance à toi. Un premier indice, ce serait formidable. De toute façon, on le essaye. Spectacle est déjà assuré avec ce que tu vas faire. Bonne chance à toi, Marc. Je te laisse tranquillement sauter quand tu le désires. Qu'est-ce que tu fais là? On te laisse 5 minutes et on te retrouve en faisant l'élastique, Omar. C'est un bon. C'est un bon. Elle est impressionnante, non? Je ne pense pas. Et tu penses qu'il y a du positif, la chouchouka, la calentita, la coca, on est avec toi, hein? Mais tais-toi! Un bon plat méditerranéen, si vous savez. Ça va, Marc? Ça va? Pour l'instant, ça va. D'accord. Dépêche-toi parce qu'on a un peu mal au cou. C'est bon, chérie. Oui, je vais faire. Elle a peur de rien. Je vais faire. Allez, allez, c'est parti. Comment tu te sens? Chapeau bas. J'ai des tout petits bras. J'ai des tout petits bras. J'ai des petits bras. Bravo. Je suis désolée. Non, c'est énorme. Je sautais comme ça. Je suis mais non, mais ne sois pas désolée. Bah si, parce que j'ai pas gagné. Écoute, mais on a le temps de se refaire sur les prochaines aventures. Vous l'auriez fait, vous? Vous auriez sauté à l'élastique à cette place? Non. Alors tu vois, franchement, bravo à toi. À quoi t'as pensé au moment où t'étais? Rien du tout. J'ai sauté, c'est tout. J'avais du mal. Eh oui, j'ai du mal à attraper, ça fait loin. Écoute, ma femme, on se félicite. Bravo à toi, c'était très courageux. On va finir de te déséquiper. Tu nous rejoins dès que possible à la prochaine aventure.